Je vais vous montrer ici comment enregistrer un événement santé dans le carnet sanitaire. Vous pouvez cliquer sur carnet sanitaire ici sur la page d'accueil ou dans l'onglet santé, santé, carnet sanitaire. Ensuite, je clique sur événement santé. J'entre la date de l'événement. Je peux m'aider du calendrier ici. Puis, je tape le nom de la pathologie. Par exemple, une méningite. Je peux taper le numéro de l'animal concerné ici. Ou sélectionner dans la liste et appuyer sur les petites croix vertes si j'ai plusieurs animaux. Appuyer sur la croix rouge ici si je me suis trompée. Et ensuite, je clique sur Nouveau traitement. Je vais ensuite pouvoir renseigner la date de début de traitement, l'heure de début. Pour les 8, je peux utiliser les flèches ici. Je peux éventuellement indiquer le numéro de l'ordonnance. Je remplis le nom du médicament. Je rentre la quantité administrée, le nombre d'administrations total, la voie d'administration, la fréquence d'administration. Et donc, à noter que la durée du traitement est calculée, est indiquée automatiquement, mais je peux la rallonger éventuellement avec les flèches. Et la date de fin de traitement et les dates de remise en vente sont calculées automatiquement. Je n'ai plus qu'à ajouter l'intervenant. Voilà, à noter que tous les champs obligatoires ont une petite étoile rouge. S'il n'y a pas d'étoile rouge, c'est facultatif. Donc une fois que tous les champs sont remplis, je peux valider. Voilà, mon enregistrement a bien été effectué.